Salut, beau mec. Bonjour. Joe est déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusé. La prochaine fois, hein. Bye. Ben allez donc. Fatiguez-moi, espèce de salope. Mais écoutez, tout de suite. C'est pas vrai, ça. Quand on sait pas conduire, on reste chez soi. Hey, mais c'est la nana de Joe, là. Enfin, une des nanas de Joe. Tu pètes ma caisse, je vais péter la tienne. Regarde ma caisse. Et là, on se détend, l'ami. Non, mais t'es qui, toi? Quelqu'un qui aime pas trop qu'on parle comme ça à une dame. Alors tu ferais bien de te tirer avant que je m'énerve pour de bon, hein? C'est quoi cette salope? C'est ta fiancée? Si c'est pas elle qui paie les dégâts, ce sera toi. Tu dis encore un mot et je te redécore la gueule. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Mais... Je t'avais prévenu. Merci, beau mec. Je m'en souviendrai. Ça te dirait de venir chez moi pour une grosse part de tarte? C'est gentil, mais un de mes potes... Non, laisse tomber. Je suis sûre que ça te plaira. Il faut que j'y aille maintenant. À la prochaine. Salut, les gars. Vito, voici Luca Gorino. Il veut vous parler. Luca, lui, c'est Vito. Enchanté, monsieur Gorino. Et pas tant de manières. Appelle-moi Luca. Assieds-toi, Vito. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur? La même chose que moi, et en vitesse. Pareil que vous êtes tombé sur les Irlandais? Putain d'histoire. Vous en êtes tiré comme des chefs. Du bon boulot. Salute. Salute. Les gars, je suis impressionné. Gars qui savent obéir sans poser de questions. Vous faites ce boulot aussi bien que celui d'hier soir, et je crois que vous aurez une bonne chance d'entrer dans la famille. Enfin, après avoir payé le droit d'entrée. Henri va tout vous expliquer, on se revoit bientôt. Ravi de t'avoir rencontré. Ah, te voilà. Salut, patron. T'es occupé de ce dont on a parlé? Ouais, ouais, c'est entre de bonnes mains. T'as Henri déjà va. Dit ça la dernière fois. Me déçois pas à nouveau. Patron, je vous jure... Viens avec moi. Il y a autre chose dont je veux te parler. Bon, Henri, en quoi il... Il y a un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum, on l'explose.
rejoins directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance, vieux. Bonjour. Ah, tu dois être le type dont Henri m'a parlé. Ouais. T'as sa commande? Ouais. Tiens, la voilà. MG42. Import allemand. C'est la Sulfatus d'Hitler. Une vraie beauté. 12 kilos. Calibre 7,92. 1200 balles par minute. Y a pas plus rapide. Bande de 250 coups. Portée efficace de 1200 mètres. Extrêmement fiable. Je veux pas savoir ce que vous chassez, mais si ton gibier est pas dans un char d'assaut, il va y passer. Hé, tu veux que je te montre comment elle marche? Non, merci. Je connais bien l'engin. J'ai fait l'armée, moi aussi. Non, c'est pas vrai. Ah, attends, t'étais où? Et t'as fait quoi? La Normandie, hein? Allons, l'Afrique. Attends, je vais trouver, L'opération Husky. Ouais? Et dans quelle unité? 504e para. Ah ouais, chez les parachutistes. Vous en avez bien scié, je crois. Ouais, ben on a bien morflé, ça c'est sûr. Blessé et démobilisé. T'as eu des médailles? La Purple Heart et la DSC. Oh, attends, t'as eu la croix? Ils distribuent pas ces trucs-là pour rien. J'ai fait la Normandie, secteur Outabitch. On a bien morflé, nous aussi. Et en rampant, pour sortir par derrière, je me suis pris une putain de branche d'arbre dans l'œil. Ça suffit, ils m'ont démobilisé. Là, il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Au fait, moi, c'est Harry. Moi, Vito. C'est un plaisir, Vito, hein, vraiment. Si t'as besoin d'équipement, tu sais où me trouver. Et voilà. Plutôt du genre lourd. T'es en bagnole? Bonne chance. Merci. À très bientôt, Harry. Tu viens d'où, Henri? Sicile. Pourquoi t'as émigré? Mussolini. Il t'a payé le voyage, c'est ça? Rigole pas avec ça, Joe. Mon père était un homme d'honneur. Quand Mussolini a pris le pouvoir, il s'est attaqué aux hommes comme lui. Mon vieux s'est dit que je finirais dans l'armée ou en tôle. Alors, il a préféré m'envoyer en Amérique pour travailler pour Don Clemente. Et ton père, alors? Il disait qu'il était trop vieux pour émigrer. Mussolini l'a fait arrêter et il est mort en prison. Ils ont refusé de nous rendre le corps pour qu'on puisse l'enterrer. Tcha, les salauds. Tu parles bien anglais, dis-moi. Et voilà, les voitures noires. Vito, bute cet enfoiré. Il faut se le faire avant qu'il rentre dans l'immeuble. Tiens-toi prêt. C'est bon, je les vois. Ils sont des flingues. C'est parti. Regardez, là-haut, à cette fenêtre. Oh non, me tuez pas. Pitié, j'ai une femme. Faites-moi ça. T'aurais dû penser à ta femme. Je ferai ce que vous voulez. Vous en supplie. Faites-moi ça, s'il vous plaît. Don Clemente te salue bien. Oh merde! Putain! L'enfoiré! Henri, ça va? Putain! T'es touché? À ton avis, du con! Il m'a tiré de la jambe, cet enfoiré! Oh merde! Putain, c'est vrai! Vachement de sang! Faut que j'aille chez El Greco! Qui ça, le peintre? Non, putain, le docteur, okay, abruti! Ok, reste calme, c'est comme si on y était. Le grec, quoi, il vit à Haïbo. Non, dans la bagnole. Non, non, t'es plus lourd que t'en as l'air. Oh, merde. Oh.
El Greco, le docteur? Non, moi c'est le peintre, abruti. Notre copain est salement amoché, il perd son sang. Merci, Doc. C'est pas vrai. On vaudra ça. Henri, portez-le dedans. Hé, hey, je vous file votre fric. Je vous dois, prenez. Ça pouvait attendre, mais merci. Et puis, merci pour le reste. Retape-toi bien. Ouais, compte sur moi. Reste avec Henri. Je te retrouve à la porte. D'accord. Vito, salut, comment tu vas? Non, non, écoute, j'ai une blé pour rembourser les dettes de papa. Oh, Vito, formidable. Je voulais lui proposer un remboursement plusieurs fois. Tu sais, j'ai un peu d'argent. Et puis, il ne nous fera rien. Je suis pas si sûr. Mais t'inquiète plus pour ça. Tiens, prends-le. Où tu as trouvé tout cet argent, Vito? Tu n'as rien fait de mal, tu me promets? Non, non, t'inquiète pas. Tout va très bien. Merci, Vito. Merci. C'est rien. Bon, il faut que j'y aille. Je préfère éviter maman. Je tiens pas à ce qu'elle me pose trop de questions. Ne t'en fais pas. Je lui mentirai. D'accord. Tu l'embrasses bien fort pour moi. Et attention à toi, Vito.